Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de l'élection présidentielle sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. 57,15%, c'est le score réalisé à Mayotte par Emmanuel Macron pour cette élection présidentielle. On va débriefer tout ça, Samuel, avec nos invités. On a sur le plateau pour les Républicains Najim Amada. Ah non, pas du tout. Pas du tout, que je... mais ça va plus, moi. Pour Emmanuel Macron, déjà. Pour Emmanuel Macron, Najim Amada, bonjour. Et pour le MDM aussi. Mais le sioniste. Ouais. On a Anthony Limousy pour le Front National, bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis Tonton Jacques pour En Marche. Bonjour Tonton. Bonjour. Samuel, débrief, résultats locaux, une élection particulière. Oui, je vais commencer par Anthony, messieurs, si vous me permettez. Anthony, défaite, mais en même temps victoire, d'une certaine manière, un score complètement historique à Mayotte pour Marine Le Pen et pour le Front National. Oui, un score qui restera mémorable et qui ne fera qu'avec le futur progresser encore plus jusqu'au jour où on prendra le pouvoir. Il est évident que la diabolisation permanente qu'a subie Marine pendant la campagne n'a pas été une chose facile pour elle, associée à un ralliement de tout le monde contre elle, fait que pour Mayotte, arriver à ces résultats, c'est un exemple même pour la métropole. Aussi, certains avaient fait le même travail que nos équipes de Mayotte ont fait avec des conditions très difficiles, avec très peu de moyens. Ce que nous avons fait à Mayotte, comme je vous dis, résonnera pour l'éternité. Jacques Martial-Henri, Emmanuel Macron partait de loin à Mayotte, de très très loin même, j'ai envie de dire, et pourtant il est vainqueur. Partait de métropole. Oui, non, mais c'était pas simple. Le premier tour était compliqué. Le deuxième tour est remarquable, j'ai envie de dire, puisque Emmanuel Macron est largement devant. Comment vous l'expliquez? Oui, comme vous le savez, Emmanuel Macron n'a existé réellement à Mayotte que deux ans. Non, deux mois. Oui. Deux mois, parce que la campagne que nous avons menée en sa faveur ne date pas de longtemps. Et là, c'est un premier constat que je fais. Deuxième constat, je crois que l'élection à Mayotte a été complètement vidée de son contenu. Les gens ne se positionnaient pas par rapport à un programme, mais par rapport à un leader sur le plan local ou par rapport à des intérêts sur les élections de députés. Et c'est ce que je regrette, que les gens ne se sont pas prononcés sur des programmes en réalité. Et puis deuxièmement, quand mon cher ami à côté parle qu'on a diabolisé Marine Le Pen et quand son entourage parle d'une dédiabolisation du Front National, c'est qu'il n'y a que le diable qu'on dédiabolise. Ça frotte le froissé, bien sûr. Je vais revenir sur vous, Anthony Limousy, mais avant, Najim Amada, très, très, très large victoire d'Emmanuel Macron, plus de 72% sur Mamoudzou. Vous êtes conseiller municipal de Mamoudzou, vous êtes candidat au sénatorial, vous avez défendu Macron. Qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat sur Mamoudzou, proprement dit? Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a un gros score à Mamoudzou, mais sur le plan territorial, je voudrais dire quand même saluer les Mahorais qui ont largement voté pour Emmanuel Macron. C'était pas chose aisée, effectivement, puisque on a déjoué tous les pronostics. Tous les pronostics disaient qu'à Mayotte, Emmanuel Macron n'arriverait pas en tête, ça serait Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Fillon était en tête, une fois éliminé, c'était le deuxième candidat qui était en l'occurrence Marine Le Pen qui arrivait en tête. 27,28% au premier tour, voilà. Contre 19,13%. Et puis il y a eu toute une campagne de désinformation sur le programme de Emmanuel Macron, notamment sur ce point précis de coopération régionale qui a été utilisé, réutilisé et mal utilisé pour faire campagne contre le candidat. On reviendra peut-être pour expliquer ce point-là, mais en tout état de cause, on est parti de loin. Et effectivement, nous, le groupe Allons à Macron, qui travaillons effectivement avec l'autre groupe qui est En Marche, nous avons sillonné le chef-lieu
pour sensibiliser la population. Nous, on a fait du porte-à-porte quand même pour une élection présidentielle, ce n'était pas anodin. Nous avons organisé un grand meeting sur la place de la République où il y avait plus de 500 personnes qui étaient sur place. Il suffisait de venir voir. Les médias nous ont boudés ce jour-là, mais on a quand même réussi à réunir 500 habitants de la commune pour sensibiliser sur le programme d'Emmanuel Macron, et nous avons été entendus. Donc je salue tous les habitants de Mamoudzou qui nous ont suivis dans cette aventure. Anthony, il y a des percées assez importantes de Marine Le Pen sur le territoire. Je pense à Bouéni, résultat colossal. Ntsamboro, Ntsangamouji, Bandrélé. On ne s'attendait pas du tout à Bandrélé. Comment est-ce que vous expliquez ces percées dans ces communes? Ces communes ne sont pas le chef-lieu de Mayotte. Non. Le chef-lieu regroupe la petite et la bourgeoisie mahoraise qui, elle, veut encore continuer à profiter de beaucoup de privilèges qui ont été octroyés par le gouvernement qui était précédent. Automatiquement, les problèmes rencontrés sur Mamoudzou ne sont pas les mêmes quand on a un emploi au conseil général, à la mairie, à d'autres administrations. Toutes les administrations sont regroupées, on le sait, sur Mamoudzou. C'est là qu'il peut y avoir que le plus fort pourcentage de personnes votant pour Emmanuel Macron. Mmh. Un vote urbain ? Pardon ? C'est comme au niveau national, un vote urbain Macron contre un vote provincial ? Bien sûr, c'est automatique. Les administrations, les plus gros salaires sont versés sur la capitale, on pourrait dire. Mais les communes dont on parlait, ne sont-elles pas justement aussi les foyers de l'immigration clandestine et que c'est l'une des réponses qui a été apportée par la population de choisir Marine Le Pen ? Non, l'immigration se cache bien sûr dans les petites communes disséminées dans l'île et bien sûr essaie de moins se montrer sur Mamoudzou, c'est qu'il pourrait se faire attraper. On ne vole pas des bananes au centre-ville de Mamoudzou. Un peu moins en effet. Voilà. Donc il n'est pas étonnant de voir des résultats forts dans le sud, comme c'était le cas, parce que ce sont des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui ont été abandonnées par les autorités et qui n'ont aucune protection. Si ce n'est qu'eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'il ne sera pas résolu pour autant. Rien ne va se passer. Vous savez, M. Emmanuel Macron a pris un train en marche, un train qui va ne faire que ralentir. Ce n'est qu'un feu de paille. Comme je disais hier soir, les gens ont fait la fête, ont bu le champagne comme le faisaient les passagers sur le Titanic. On boit le champagne alors que le bateau coule. Ça, c'est votre prédiction. Jacques Martial Henry, vous êtes un habitant de Bouéni. Je fais la tournée. Mamoudzou. Oui, de ma Mamoudzou, mais de Bouéni, vous connaissez très bien Bouéni. Oui. Et vous, quel est votre sentiment par rapport aux propos d'Anthony Lomouzi et aussi de la situation de Bouéni? Je crois que nous devons tous faire un peu de recul pour bien apprécier le message que les Mahorais ont voulu lancer. Je crois que quand on parle de la bourgeoisie, ce n'est pas dans la commune de Mamoudzou. La bourgeoisie, c'est à Sada, c'est à Bouéni, c'est à Ntsamboro, c'est à Pamandzi. Ce n'est pas en tout cas dans la commune de Mamoudzou. Moi, je suis Mahorais, je connais l'histoire de ce pays. Et deuxièmement, je crois que le message qui a été lancé à Bouéni n'a rien à voir avec ni Emmanuel Macron, ni le Front National. Le message qui a été lancé à Bouéni émane de la condamnation de Madame Salama au tribunal. Vous faites un lien direct. Un lien direct avec c'est par solidarité que la population a voulu lancer un message. Je regrette que beaucoup d'interventions, y compris l'intervention d'un soutien à Marine Le Pen, que j'ai eu à débattre sur Mayotte Première, n'a jamais évoqué l'immigration clandestine. Il a parlé juste de l'argent que Emmanuel Macron va envoyer aux Comores. Mais il n'a pas parlé de l'immigration clandestine, à aucun moment, ni de lutte contre l'immigration clandestine. Nous faisons tous à Mayotte le même constat. Tous. Nous vivons tous mal cette situation qui nous tue, qui nous empêche de se développer. Qu'on soit Front National, qu'on soit républicain, qu'on soit marcheur, nous faisons tous le même constat. Maintenant, quelles sont les solutions que nous souhaitons apporter pour lutter contre ce phénomène lié à l'immigration clandestine? Et c'est là où les positions divergent. Donc je crois que nous devons tous faire un peu de recul pour pouvoir apprécier
objectivement cette situation. Flo, pour Najim Ahmada. Ouais, pour tous les trois, on va commencer par Najim, mais la question vaut pour tous les trois. Une abstention record au niveau national, plus de 20 points, mais alors à Mayotte, 54% d'abstention. On a dans tous les cas le président le moins bien élu de l'histoire de la France. À Mayotte, 54%, plus d'une personne sur deux n'a pas voté. Votre regard sur cette abstention. On commence par vous, Najim. Je vous remercie, mais... le moins bien élu, je ne crois pas. On a quand même une personne qui, pour reprendre ses mots, qui a été élue il y a encore 2 ans, qui était inconnue, qui a fait une longue marche pour arriver jusque-là. C'est sans précédent ni équivalent. Jamais ça s'est passé. 75% des électeurs au premier tour n'ont pas voté pour lui. Hein. J'entends bien, mais au deuxième tour, c'est ça qui compte, non ? Oui, avec 25% qui ne vont pas voter. J'entends bien, mais il a été voté ou pas ? La question, c'est ça. Donc, la question, c'est votre regard sur le taux d'abstention à Mayotte. Le taux d'abstention... 54% à Mayotte. Hein. La difficulté de ce qui s'est passé là, à Mayotte, c'est qu'on a un électorat mélenchoniste qui a été un voulet. Tout le monde s'est donné un mot pour ne pas aller voter. On a des positions ambiguës de certains partis politiques sur le fait de voter Macron ou pas. Je rappelle que pour voter pour Emmanuel Macron, pour soutenir Emmanuel Macron, il suffisait de prendre son bulletin et le mettre. Je rappelle qu'également, s'il fallait favoriser l'autre candidat, il suffisait soit de s'abstenir, soit de voter blanc, soit de voter pour Marine Le Pen. Et donc, certaines personnes voulaient que Marine Le Pen passe, mais n'assumaient pas cette posture, et donc se sont abstenus, parce que c'est par un effet mécanique. Ça allait favoriser Marine Le Pen. Pourquoi elle a un électorat qui est fidèle ? C'est l'électorat le plus fidèle qui se déplace contre vents et marées pour aller voter. Emmanuel Macron, il a un électorat qui était plutôt fragile. On disait que plus de 60% des gens, ils ne savent pas si finalement ils vont mettre le bulletin Macron, même s'ils le soutiennent aujourd'hui. L'histoire nous a montré le contraire. Donc, le score en métropole est certes ahurissant sur l'abstention, mais à Mayotte, on le comprend aisément. D'accord. Anthony, la même question. Exactement la même question. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la peur, la peur finale des électeurs qui ont fait qu'ils n'ont pas voté pour Marine Le Pen, ils n'ont pas osé ? Est-ce que c'est ça, l'abstention ? Je pense que c'est surtout la peur consécutive, justement, à toutes les pressions qu'ils ont subies, psychologiques, démontrant le Front National comme un dragon. Ce résultat est un score, bien sûr, remarquable pour M. Emmanuel Macron, mais il est plus consécutif à une réussite mathématique que démocratique. Je veux dire par là que ce sont la combinaison des jeux, des décomptes, des croisements, des alliances qui ont fait que M. Macron est président. Il y aurait eu une autre personne qui ne se serait pas appelée M. Macron, qui aurait eu le même programme, la même présentation, et il aurait été aussi président. Ce n'est pas une affaire personnelle qu'il a réussi. C'est une affaire mathématique. C'était basé sur un programme quand même. Ce programme-là, comme je l'explique, ça aurait été M. Perrin Pimpin qui l'aurait proposé, qui n'aurait pas été connu, mais qui aurait été au gouvernement. Et qui aurait bénéficié des mêmes moyens. Bien sûr, énorme. D'autant plus que la stupidité des gens qui sont irresponsables d'avoir voté dans ce sens-là ne jette pas un regard en arrière. Messieurs, excusez-moi, on ne peut pas insulter les millions de Français et de Mahorais qui ont voté pour Emmanuel Macron. Il n'y a aucune stupidité dedans, c'est le jeu de la démocratie, c'est encore le Front National qui montre son vrai visage également. Insultez les gens. La démocratie a parlé. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Reprenez, on vous laisse la possibilité de vous reprendre, monsieur. Il faut être objectif. Donc les gens sont stupides d'avoir voté Macron. Najim, vous ne pouvez pas dire ça quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je demande de reprendre. À aucun moment, il n'y a personne ici qui a dit que les gens sont stupides quand même. Bien. Comme je vous dis, vous essayez de me pousser la faute ou quoi? Allez-y, continuez. On n'a pas besoin de ça. Il nous reste 2 minutes et il faut encore que Jacques Martial Henry prenne la parole. Bon, les gens ont eu peur parce qu'on leur a fait peur. Ça s'arrête là. Mais ils auront encore plus peur dans les mois à venir et vous allez vite le constater. Parce que si depuis des années, rien n'a été fait, ce n'est pas demain que ça va commencer. Nous avons mis en place une cellule spéciale qui allait mettre des moyens énormes, que nous, bien sûr, nous n'allons pas dévoiler pour ne pas donner maintenant le plan pour pouvoir réussir l'immigration zéro. Mais je peux vous garantir que l'immigration va encore progresser d'une façon alarmante et qui va entraîner des conséquences irréversibles. Oui, on attaquera le débat pour les législatives plus tard. Votre regard sur le taux d'abstention à Mayotte, Jacques Martial Henry, en conclusion. Je crois que les Mahorais... sont français, mais la France est très loin de Mayotte. Et c'est le paradoxe. Ce qui pousse
les Mahorais à ne pas beaucoup aller voter pendant ces élections présidentielles. D'ailleurs, si vous remarquez... C'est équivalent à 2012 hein, pour Mayotte, hein, oui, l'abstention. Oui, oui, donc on ne peut pas dire que c'est la teneur des campagnes ou la situation actuelle qui a poussé les Mahorais à s'abstenir. Ça, ça a toujours été comme ça. Et deuxièmement, moi, je salue la participation des jeunes, des moins jeunes, surtout ceux qui ont voté pour la première fois. Ils étaient très nombreux hier à aller voter. Alors que lorsque vous avez un nombre important de gens qui ont voté, Mélenchon se sont abstenus. Donc ce trou a été comblé par la participation des jeunes. Moi, au deuxième tour, vraiment les jeunes se sont beaucoup mobilisés. Je crois au premier tour, ils étaient un peu perdus. Mais au deuxième tour, ils ont fait un choix large en faveur d'Emmanuel Macron et surtout les étudiants maorais qui sont en France. Mais, juste pour finir, nous aurons l'occasion d'ici quelques jours d'aller au plus près de la population pour que chacun, parce que je crois que chacun a soutenu un candidat aux élections présidentielles, c'est pas du jour au lendemain qu'on va charger de programme. Et nous aurons devant la population, moi je suis candidat aux élections des députés dans la circonscription du Sud, comme mon cousin Mansour Kamardine, comme El Hadi Chakrina, comme beaucoup de gens qui sont candidats, nous aurons l'occasion devant la population d'expliquer chacun son programme et surtout expliquer beaucoup plus le programme d'Emmanuel Macron qui a été complètement vidé de son contenu par surtout Mayotte Première. Vous aussi, vous avez été un tout petit peu gentil. On est gentil avec tout le monde, nous, même si on change les gens de parti comme Najim Amada. Merci d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Il y a du boulot encore, hein, puisqu'on rappelle, vous êtes candidat au sénatorial. Donc, absolument, le merci de n'est pas fini. Merci Anthony Limousin d'être venu vous exprimer sur le plateau. Et bah, pareil, un gros combat pour les législatives, même si vous n'êtes pas candidat, un gros combat pour les législatives à mener. La position du Front National candidats. Et dans le paysage hein, maintenant. Et bah, merci beaucoup Jacques-Martial Henry, vous aussi d'être venu vous exprimer. Et bonne chance pour vos élections. Tout de suite, la suite de nos programmes.